Action. Oh. On peut avoir de la lumière pour la scène 1. Grosse production. Hein. Je suis prête, je suis comédienne. Comme il y a pas de secret alors. Mathilda. Je suis tombée sur Henning. Projection, projection. Qu'est-ce qu'il a grandi ? C'est timbré, c'est tout. Ça prend tout l'espace. Il a parlé de votre nouvelle art. C'est une cascade pour Samuel puisqu'il porte deux chandeliers. Il y a beaucoup plus de sérieux chez les filles. Faut rire. Allez, on y va. Allez, mes enfants. Oh là là, mais c'est incroyable ici. Ah, mais c'est également une famille incroyable. Ce sont des gens agréables et gentils. Il n'y a pas d'histoire de merde avec eux. Ah bon ? Alors pourquoi tu raccrochais à chaque fois que ton père appelait ? Oui, évidemment, c'est une famille où on parle peu, on cache les choses, et les choses les plus terribles. C'est une pièce qui pousse à une vraie interrogation, quoi. Donc, sur qu'est-ce qu'on fait face au drame, comment on réagit, et on fait ce qu'on peut. Mais est-ce que tu peux m'expliquer tout de suite ce que tu veux dire ? Mais qu'est-ce que t'as vu ? Pia ! Il y a un antécédent, il y a Festen, le film, la pièce qui avait été jouée il y a 10 ans, et l'auteur, Winterberg, a écrit la suite, mais pour le théâtre, pas pour le cinéma. Parce que c'est un film qui a tellement marqué les esprits de ceux qui l'ont vu qu'il y a forcément une grande attente autour de cette pièce. Mais nous, on s'amuse beaucoup. Hein. Ah, ça fait du bien, ça, avant de démarrer. Il faut surtout être disponible et détendu, il n'y a que comme ça. Les Blues Brothers vont rentrer en scène. Ah, non ? Bon, mais je vous dis au revoir, à bientôt. À bientôt, hein. Merci, et puis amusez-vous bien. Ciao.